Bonjour mesdames et messieurs. Alors, on nous annonce une canicule, un dôme de chaleur qui va s'installer sur la France hein, et un peu sur les pays avoisinants en Europe à partir du vendredi 18 août 2023. Alors, donc le dôme de chaleur, ça veut dire canicule. Et ils annoncent des températures qui peuvent aller jusqu'à 40 degrés. Alors, il existe quelques petites astuces pour limiter les dégâts, hein, donc on va voir ça ensemble. Si vous n'avez pas de climatiseur chez vous, hein, ou juste un ventilateur, mettez quelques bouteilles d'eau glacée, hein, dans une bassine d'eau, et vous mettez une serviette que vous allez tremper dans l'eau fraîche, et vous posez la serviette sur les bouteilles d'eau glacée. Ça va rafraîchir un petit peu l'air. Si vous n'avez pas de volets à vos fenêtres, vous mettez des cartons, hein, les cartons c'est un très bon isolant, et vous les plaquez contre vos fenêtres pour empêcher les rayons d'entrer à l'intérieur de l'appartement ou de la maison, hein. Ça va diminuer un petit peu la température. Si vous avez un climatiseur ça veut dire aussi une cheminée, hein, qui va dégager beaucoup de chaleur, et dans les appartements souvent vous n'avez pas d'installation qui permette de dégager la chaleur, un trou dans le mur ou une installation sur la vitre. Prenez un carton, faites un trou du diamètre de la cheminée et placez-le à l'intérieur du rebord de la fenêtre en mettant une couche de carton assez épaisse pour pas que ça tombe à l'extérieur, et vous faites sortir la cheminée par la fenêtre. Comme ça vous aurez une isolation, le carton s'isole et en plus la chaleur dégagée par le climatiseur va sortir à l'extérieur. Voilà, donc ça c'est quelques conseils, hein, pour limiter les dégâts de la canicule. Et surtout n'oubliez pas toujours une bouteille d'eau, hein, pour éviter la déshydratation, hein. Très important. Voilà, messieurs, dames, bon courage à tous, à bientôt.